Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, chaleureusement, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui mérite d'être loué, d'être glorifié, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite un bon accueil dans cette tranche d'émission et que la bénédiction du Tout-Puissant puisse reposer sur chacun de vous. Et qu'il vous rende capable d'être réceptif à ce qu'il dit au travers de sa parole, et qu'au travers de cela, vous puissiez trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, nous sommes tous des êtres humains faits à l'image de Dieu. Et le but de Dieu est que chacun de nous soit sauvé, qu'aucun pécheur ne soit perdu, et que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, et que nous puissions expérimenter le salut qu'il a préparé pour nous avant que le monde ne fût. Ainsi, je dis d'abord merci à chacun de vous pour vos prières quotidiennes, vos prières hebdomadaires, vos prières de tous les jours, vos prières mensuelles à notre égard, pour que le Seigneur nous protège, nous garde, parce que, étant porteurs de la semence, nous sommes sur les feux nourris de l'ennemi, et nous sommes attaqués matin, midi, soir, mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, car au travers du Saint Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ainsi, quelle que soit votre communauté, merci pour vos prières, merci pour les bonnes intentions que vous avez à notre égard, merci pour vos soutiens matériels, parce qu'il y en a qui nous soutiennent matériellement, merci pour vos aides financières, et afin que nous puissions continuer à vous servir. Et vous tous qui êtes connectés dans d'autres pays, qui allez suivre ces émissions dans d'autres pays, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. L'œuvre de Dieu, elle est mondiale, et le Seigneur, et quand il agit sur toute la terre. Et il a un projet de bonheur pour ses enfants dans le monde entier, quelle que soit la tribu, quelle que soit la langue, quelle que soit la coloration de la peau. Dieu n'est pas un ségrégationniste de race, mais il est ségrégationniste pour séparer la lumière avec les ténèbres et séparer le fidèle avec l'infidèle. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et si vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où en Océanie, au Proche-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Soyez simplement attentifs à ce que le Seigneur dit au travers de sa parole. Parce que nous vivons des temps spéciaux, les temps où sa venue va s'accomplir, où il va venir prendre son épouse. Et soyez attentifs, sinon vous risquez de rater ce grand événement qui est devant nous. Et cet événement ne va pas se passer dans votre communauté, non. Ni dans n'importe quelle communauté, ce qui est sur la terre, non. Mais cet événement va se passer en un seul lieu. Et ce lieu, c'est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi pour pouvoir nous recevoir notre adoration, et ce lieu d'adoration, c'est en Christ, uniquement en Christ, où toutes les promesses auront leur accomplissement. Inscrivez-vous, bénisse, et prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et confrontez tout ce que nous disons dans ces émissions avec les Saintes Écritures. Si cela n'est pas conforme aux Saintes Écritures, prenez cela, jetez cela, mais si cela est conforme aux Saintes Écritures, alors accrochez-vous comme à une bouée de sauvetage, sachant que au travers de cela, la vie est cachée. Et cette vie, elle est pour toi, elle est pour moi. Ainsi, merci pour tout cela. Et nous allons simplement rester attentifs. Et nous allons demander au Seigneur de nous parler afin que nous puissions expérimenter toutes les merveilles qu'il a cachées pour nous au travers de sa parole. Ainsi, je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur. Pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter lui-même à la scène et qu'il puisse nous parler et qu'il puisse nous révéler ses voies. Pour que nous puissions y marcher. Que nous bénisse pendant que nous disons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Nous sommes en train de parler de la parole prophétique. Et nous relisons tout le temps cette écriture, Romains chapitre 9, verset 28, où il est écrit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il est celui qui fait des prédictions et il est celui qui les accomplit. Et il n'y a personne comme lui sur la terre ni dans les cieux qui est capable de faire de telles prédictions. Vous comprenez? Et il est celui qui parle, il annonce des choses à l'avance
et il les accomplit. Et parfois, et il dit, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut se comparer à moi, qu'il se lève, qu'il donne des preuves, qu'il annonce ce qui doit arriver dans l'avenir, et que nous puissions voir si ce qu'il dit est vrai. Il est celui qui nous fait des prédictions qui sont véritables. Il est celui qui nous dit ce que nous devons, ce qui va arriver. Et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est celui qui accomplira pleinement, dans la globalité, et promptement, en son temps, tout ce qu'il a résolu donc de faire sur la terre. Et regardez par exemple ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 41. Et en lançant un défi à tous les faux prophètes, tous les faux prédicateurs, il leur dit, Ésaïe 41, verset 21 jusqu'au verset, je vais m'arrêter. Il commence par le verset 21. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'ils le produisent et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Oui, bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes de Dieu. Faites simplement quelque chose, de bien ou de mal, pour que nous le voyons et regardons ensemble. Et il dit, vous voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Vous comprenez jusqu'au verset 24. C'est ainsi que il est le seul qui nous dit des choses vraies. Le seul livre qui nous dit la vérité, qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Il n'y a qu'un seul livre sur toute la terre, c'est la Bible. Ce ne sont pas les prophéties de Nostradamus. Ce ne sont pas tous les livres religieux qui sont sur la terre, qu'on ne vous montre pas. Dieu s'est révélé dans une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la révélation du mystère de Dieu. Et c'est au travers de lui que Dieu nous parle. Ainsi, nous vous parlons du dernier message que Dieu a envoyé sur la terre pour nous avertir de ce qui va arriver bientôt. Et ce message, que nous appelons le message biblique, du temps de la fin, pas n'importe quel message, le message qui est conforme aux Saintes Écritures, pas des citations du prophète, pas des citations d'un apôtre, pas des citations d'un évangéliste. Nous vous parlons de la parole du Seigneur, nous appuyons sur ce que la Bible dit, comme l'apôtre Paul pouvait dire, pour confirmer que son message était vrai, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Regardez ce que l'apôtre déclare avec fermeté, avec assurance. 1 Corinthiens, chapitre 15, les 4 premiers versets. Et l'apôtre nous dit ceci, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, écoutez, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Nous devons être fidèles à la parole que nous avons reçue. Écoutez, verset 3, verset 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, par révélation, que Christ est mort pour nos péchés, écoutez, selon les Écritures, pas selon le hasard. Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. Tout ce que Dieu fait, c'est selon les Écritures. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans les temps de la fin, n'est pas une imagination des hommes, mais la parole de Dieu au temps de la fin, c'est exactement la révélation de sa parole. Donc, selon les Écritures, nous vous prêchons un message qui est selon les Écritures. Ce n'est pas selon la théologie, selon, c'est pas moi, ce qu'en dit telle personne. Et nous avons montré ceci, que selon les Écritures, nous sommes en train de parler des prophéties bibliques qui doivent s'accomplir dans ce temps dans lequel nous vivons, dans notre temps. Et nous avons vu beaucoup de points. Et nous sommes arrivés, je peux dire, à l'apothéose, à la prophétie maîtresse que nous sommes en train d'attendre. Et cette prophétie, et qui aura son accomplissement certainement, c'est
le retour de Christ qui est accompagné de l'enlèvement de l'épouse. Christ vient pour son église, pour son épouse, trois fois. Retenez bien cela. La première fois, il est venu dans un corps de chair. C'était pour mourir, pour racheter son église, racheter son peuple en versant son sang. Il est venu mourir afin que la vie qui est en lui puisse nous être transmise. Ça, c'est la première venue. Maintenant, nous sommes en attente de sa seconde venue ou son retour. Maintenant, quand il ne vient pas pour mourir. C'est pourquoi il ne piétinera pas le sol. Il s'arrêtera dans les airs. Il vient chercher l'épouse qu'il a rachetée et qui est lavée, qui est purifiée, qui est sanctifiée, qui est devenue irréprochable, et il va l'amener aux noces de l'agneau. Ça, c'est la seconde venue. Et la troisième fois, il va revenir avec son épouse sur la terre pour régner pendant le règne de 1000 ans. Ça fait trois venues. Et c'est vrai que tu peux me parler des autres apparitions. Il est apparu à Saul sur le chemin de Damas, c'est vrai. Et dans notre âge ici, il est apparu à William Branham plusieurs fois. Et il lui a parlé au travers de sa parole. Et par des visions, par des songes, William Branham l'a vu, a causé avec lui. Et il est venu dans cet âge, non seulement dans la colonne de feu, il est venu dans ce corps théophanique. Et le corps d'ange, il a parlé avec son serviteur, il a révélé beaucoup de choses. Tout ça c'est bien, mais ce n'était pas sa seconde venue. La seconde venue est aussi appelée son retour. Et nous sommes en train de voir cette dernière promesse, la promesse de son retour et la promesse de l'enlèvement de l'épouse. Et nous avons vu ensemble, nous allons retourner dans Jean chapitre 14. Je vais vous expliquer pourquoi il a parlé comme ça dans Jean chapitre 14. Parce que l'évangile selon Jean est un évangile spécial. C'est l'évangile de l'aigle. C'est l'évangile où Jean voit des choses un peu plus profondes. Et il est allé plus loin. Plus loin que Matthieu, plus loin que Marc, plus loin que Luc. Et je vous ai montré que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du lion. Où Matthieu présente Christ comme étant le roi. Celui qui devait venir. Celui qui va régner dans le millénium. C'est le roi. Celui qui est entré dans Jérusalem, monté sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse, et que tout le peuple criait Hosanna au fils de David. C'est vrai, il s'assera sur le trône de David. Et ça, c'est l'aspect que Matthieu a présenté, c'est l'évangile du lion, l'évangile du roi, comprenez. Et Marc, lui, l'a présenté comme étant le serviteur de l'Éternel, le serviteur du Père. Et c'est pourquoi Marc s'attarde beaucoup sur les œuvres de Christ, comprenez. Et ça, c'est l'évangile du veau. C'est-à-dire qu'il y a quatre êtres vivants dans l'Apocalypse. Et ces quatre êtres vivants, il y a un qui a la face du lion, le deuxième qui a la face du veau, le troisième qui a la face de l'homme, et le quatrième qui a la face de l'aigle. Et les quatre évangiles correspondent bien à ces quatre êtres vivants. Matthieu correspond à l'être vivant, à la face au lion. C'est l'évangile qui présente Christ comme étant le roi. Marc, c'est l'évangile ou qui correspond à l'être vivant à la face du veau. Parce que le veau, c'est une bête de somme, comme on dit, et quand on dans d'autres pays, on prend la vache, on met l'attelage pour pouvoir labourer la terre. C'est une bête qui travaille, vous comprenez. Et il y a l'évangile selon l'homme, et ça c'est Luc qui a fait beaucoup de recherches, parce que l'esprit de l'homme, c'est rechercher, se fouiller. Et Luc, c'est l'évangile de l'homme. Et il a fait beaucoup de recherches, il n'était pas disciple de Jésus, mais il a fait des recherches. Et ce qu'il a écrit, il a envoyé à son ami Théophile pour dire que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai entendu ceux qui étaient des témoins oculaires et qui sont devenus des ministres de la parole. Et c'est sur leur témoignage que Théophile, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Et Luc a écrit l'évangile selon Luc, il a écrit le livre des actes. Vous comprenez? Mais l'évangile selon Jean, c'est l'évangile de l'aigle. Lui, Jean, lui, en tant que l'aigle, plus il monte, plus il voit clair. Jean est monté très haut et commence son évangile, non pas la naissance de Jésus. Il dit au commencement, lui est allé au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ainsi de suite. Et nous voyons que l'évangile, selon Jean, Judas, qui était un démon,
et que Jésus appelait dans Jean chapitre 17 le fils de la perdition. Et il est celui qui était désigné, prédestiné depuis avant la fondation du monde pour trahir Jésus. Et aussi longtemps qu'il était là, le Seigneur ne parlait pas clairement. Il parlait en parabole. Mais quand Judas est parti, et il est parti dans Jean chapitre 13, lors du repas du Seigneur, lors du souper, lors de la communion, Judas est parti. Le Seigneur dit que, mon ami, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Et la Bible dit que quand Judas est sorti, il faisait nuit. C'est-à-dire qu'il a quitté la lumière pour se plonger dans les ténèbres. Il faisait nuit. Et nous voyons que Judas est parti. Alors, quand Judas est parti, le Seigneur a changé de langage. Parce que son église était une église mélangée. C'était une église où il y avait la semence élue, prédestinée, mais il y avait aussi un démon. Lui-même a dit dans Jean chapitre 6, il a dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. » Et ce démon-là était Judas. C'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 70 ou 70, quand il a dit aux 12, « Mais tout le monde est parti, tout le monde m'a abandonné. Ne voulez-vous pas aussi partir ? Parce que je suis en train de contredire votre prophète chéri qui est Moïse. Parce que j'ai dit que si vous ne mangez pas ma chair et mon sang, vous n'avez pas la vie vous-même. Et les autres sont partis. Vous, les 12, vous attendez quoi ? Jésus n'était pas là pour amadouer les gens. Pour écouter, oh ne partez pas, mon église va rester vide. Il a dit, vous attendez quoi pour partir ? Et Pierre lui dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous ? Nous, nous avons cru, nous avons reconnu que tu es le Christ. Non seulement ça, mais tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous ? Qui peut nous parler comme toi tu parles ? Qui peut posséder les paroles que toi tu possèdes pour nous parler et nous communiquer la vie ? Et le Seigneur dit au verset 70, verset 70, Jésus leur répondit aux paroles de Pierre, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi ?» J'ai toujours dit, bon, peut-être ça a fait sur toujours les gens, et Jésus n'a pas cité qui était le démon. Et j'ai toujours dit, les gens pensent que c'était certainement Pierre qui était le démon. Parce que quand il a dit ça, les disciples se sont regardés. Donc, nous sommes ici 12, l'un de nous est un démon. Qui est le démon ? Et personne ne pouvait soupçonner Judas, parce que Judas était le trésorier de l'église ou de la communauté. C'est lui qui gardait la bourse, et la bourse on le donne à quelqu'un de confiance. Mais peut-être qu'on a pensé que c'était Pierre, parce que Pierre parlait trop. Il posait trop de questions. Et dans Matthieu chapitre 16, quand il est allé trop loin, Jésus parle de sa mort et des souffrances qu'il va endurer. Pierre qui dit, ne plaise à lui que cela ne t'arrive. Et Jésus se retourne contre Pierre et dit, écoutez, arrière de moi Satan. Alors, tout le monde a pensé que c'était lui le démon. Alors que le démon, c'était Judas. Et au chapitre 13, à la fin du chapitre 13, Judas, Satan est entré en lui. Il y a eu l'incarnation de Satan dans cet homme. Et cet homme est sorti, il faisait nuit, et il n'est plus jamais revenu, sinon qu'il est allé se pendre. Sa trahison l'a conduit au suicide. Et nous voyons que Jésus étant resté avec les 11, et il va rester avec ses 11 jusqu'à son enlèvement. Dans Jean chapitre 14, retournons là-bas. Voilà ce qui va se passer. Le Seigneur change de langage. Il ne parle plus en parabole. Il ne pouvait pas parler comme ça aussi longtemps que Judas était là. C'est comme nous, maintenant, l'Église. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Le Saint-Esprit doit révéler cela. Mais il arrivera un temps, peut-être quelques temps, peu de temps avant l'enlèvement, où l'église sera nettoyée. Parce que la Bible dit que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Où tous les faux frères seront chassés. Où la semence pure va rester seule. En ce moment-là, le Seigneur va passer à l'œuvre. Et je pense que la parole sera de plus en plus claire
afin que ceux qui sont de Dieu puissent être amenés à maturité. Et quand Judas est parti, le Seigneur se tourne maintenant vers les 11 qui étaient là. Il leur parle un langage clair. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Je peux lire cela dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous avons vu cela la fois passée. La même foi que vous avez en Dieu, placez la même foi en moi. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas encore qui il était. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et dans d'autres versions, il est écrit, il y a plusieurs demeures dans le domaine de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et c'est ici qu'il va faire cette promesse bénie. Je vous prends une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voici la promesse bénie. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse bénie. Je m'en vais, mais je vous promets que je reviendrai. Et l'Église véritable, elle vit dans la promesse de son retour. Je m'en vais, mais je reviendrai. Et de sa bouche ne sort que la vérité. Il disait tout le temps, en vérité, je vous l'ai dit, je reviendrai. Et quand je serai de retour, je vous prendrai. Afin que là où je suis, pas là où je serai, que vous aussi, vous soyez là. Parce que vous allez partager mon règne. Vous serez avec moi pour l'éternité. Vous aurez la vie éternelle. Vous aurez une vie qui n'aura pas de fin. Et vous aurez des corps qui ne tomberont jamais malades. La maladie sera oubliée. Et les accidents seront oubliés. Vous serez avec moi pour l'éternité. Je m'en vais, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai. D'abord, je vous prends une place. Et la place, il la prépare jusqu'au même. Pendant que je parle ici, il est en train de préparer la place. Et Jean a vu cette place qu'il est allé nous préparer. Si Dieu le veut, peut-être un jour nous en parlerons aussi. Il est allé nous préparer une demeure où il va demeurer avec nous. Et cette demeure, elle a la forme d'une pyramide. Comment je sais la forme d'une pyramide? C'est parce qu'il a révélé dans le temps dans lequel nous sommes. Nous avons reçu un prophète majeur avec le ainsi dit le Seigneur qui nous a révélé que cette cité de 2200 km de chaque côté. Et cette forme de losange à la base, 2200 km en hauteur, et c'est une pyramide. Et tous les élus de tous les temps, ils seront dans cette pyramide qui est la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Et il est allé nous proposer cette place, et là chacun aura sa place. 2200 km de côté, 2200 km en hauteur. Frère, ce sera suffisant pour abriter tous les saints depuis Adam jusqu'à l'enlèvement. Et ils seront là dans cette cité. Et c'est une cité merveilleuse. Et la Bible dit qu'il est allé nous préparer une cité. Et Abraham cherchait cette cité. Abraham avait la révélation que la cité était là. Et regardez et ce que dit à propos d'Abraham et de cette cité. C'est une parenthèse. Ce n'est pas notre sujet. Dans Hébreux chapitre 11. Et il dit ceci à propos de cette cité qu'il cherchait. Il dit je commence par le verset 8, mais c'est le verset 10 qui m'intéresse. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoutez, car il attendait la cité, écoutez,
qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait cette cité, non pas construite par les architectes de cette terre, mais qui a des fondements solides. Vous comprenez? Des fondements solides. Et dont Dieu, non seulement est l'architecte, c'est-à-dire que celui qui a conçu cette cité, mais il est aussi le constructeur. Et la Bible nous dit que cette cité, c'est par exemple au chapitre 21, les rues sont pavées d'or. Et le fondement de cette cité, ce sont des pierres précieuses. Le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand j'aurai terminé, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, la promesse pour cette heure, c'est laquelle? Parce qu'aussi vrai que vous me voyez, cette promesse de son retour va s'accomplir dans notre temps ici. Pendant que je parle ici, il y a des gens qui ne verront pas la mort dans ces générations et qui seront enlevés, qui vont simplement expérimenter le changement de leur corps et qui vont aller dans l'enlèvement et qui seront avec le Seigneur pour toujours. Et bien sûr, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Mais il y a des gens dans cet âge que, parce que l'Odyssée, il y a des gens qui ne vont pas mourir. Ça, c'était spécialement pour l'Odyssée. C'est pourquoi c'est un âge glorieux. C'est un âge extraordinaire. Et il dit que, et donc je veux revenir, parce que je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il va ajouter au verset 4, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Et quand il a dit ça, Thomas fut le premier à être troublé. Et Thomas lui dit, verset 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Il voulait connaître le chemin. Mais où tu vas, nous ne connaissons même pas. Comment allons-nous arriver là-bas ? Et Jésus lui dit, verset 6, « Écoutez ces paroles merveilleuses. » Jésus lui répondit à Thomas, « Je suis le chemin, moi, que tu vois ici. » La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Aucune dénomination n'est le chemin. Aucun prédicateur n'est le chemin. Aucune communauté n'est le chemin. Thomas voulait voir le chemin. Thomas voulait voir un chemin qu'on peut écouter, prends telle route, hein, tu vas arriver à tel endroit. Mais voilà que quelqu'un lui dit, moi, en tant que personne, je suis le chemin. Non seulement le chemin, je suis la vérité. Non seulement la vérité, je suis la vie. Écoutez, nul ne peut venir. Donc nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin obligé. Le Père, c'est le créateur de tout l'univers. Maintenant, tous ceux qui rejettent Christ, comment vont-ils arriver au Père? Ils n'y arriveront pas. Toutes les communautés qui rejettent le salut que Dieu nous a offert gratuitement en Jésus-Christ n'expérimenteront pas le salut. Et nul ne vient au Père que par moi. Et quand il a dit ça, cette fois c'est Philippe qui a été troublé. Parce que le Seigneur dit au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe était troublé. D'abord, il dit qu'il est le chemin. Comment on va marcher sur lui pour aller voir le Père? On va monter sur lui. Et puis maintenant, il dit, vous connaissez le Père, vous l'avez vu. Oh, Philippe dit, je ne comprends rien. Je peux voir Philippe regarder Pierre. Il dit, est-ce que tu comprends cette parole? Tu comprends ça? Philippe regardait Thomas. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Thomas dit, je ne comprends rien. Et Philippe lui dit, Seigneur, verset 8, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Écoutez la réponse. Jésus lui dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, et je ne dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et la fera de plus grande, parce que je m'en vais
au Père. Parce que dans peu de temps, je vais rentrer à ma nature de l'Esprit éternel et je m'en vais au Père. Et je serai certain qu'aucun disciple parmi les onze n'a compris cela. Mais retenez simplement que nous vivons dans la promesse de son retour. Nous attendons son retour. Et le Seigneur a donné suffisamment de signes pour que nous puissions reconnaître quand est-ce que ce retour va intervenir. Quand vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Là où le Seigneur passe avec les disciples devant le temple. Commençons par le verset premier, Matthieu chapitre 24. Je vais lire du verset premier au verset 3. Et il dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. C'était bien construit. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Regardez bien cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. En quelque sorte, cette maison qui fait votre fierté, elle sera démolie. Elle sera détruite. Et les disciples, quand ils ont entendu ça, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont continué à marcher avec lui. Ils sont allés sur la montagne des Oliviers. Et arrivé là-bas, Jésus aimait beaucoup aller dans la montagne pour prier. Alors le maître s'est assis au sommet de la montagne. Les disciples se sont assis tout autour de lui. Et là, ils ont eu le courage de lui poser encore une question. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Mais faites attention, ce n'est pas une seule question, c'est une triple question. Et voici la question. Donc je lis le verset 3. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, voilà, une triple question. Quand cela arrivera-t-il? La destruction du temple. Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement ou de ton retour? C'est la deuxième question. Et troisièmement, quel sera le signe de la fin du monde? Quand est-ce que le temple sera détruit? Première question. Quel est le signe de ton avènement? Deuxième question. Et quel est le signe de la fin du monde? Les disciples voulaient connaître. Comme toi et moi, nous voulons connaître. Si réellement nous sommes, en quel temps nous vivons. Et le Seigneur va répondre, nous avons déjà analysé cela plusieurs fois, mais il va répondre en mélangeant les réponses de ces trois questions. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 24, faites attention. Faites attention parce que vous risquez de prendre la réponse à telle question, la donner à telle question. Par exemple, quand il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ça n'a rien à voir avec son avènement. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Ça, c'est pour la destruction de Jérusalem. Parce qu'en hiver, il y a la neige, il y a le verglas. On ne sait pas courir. Si l'ennemi attaque Jérusalem, on va fuir comment? Vous comprenez? Et nous voyons que Élisée voulait connaître le signe de son avènement et le signe de la fin du monde. Nous aussi, nous voulons savoir qu'est-ce qui va arriver réellement. Et comment ce retour va se faire. Et regardez, dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 35, nous avons étudié cela ensemble, en parlant du rétablissement d'Israël comme signe des temps de la fin. Il est écrit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération qui verra ça ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire ici le mot passé veut dire changer, parce que la terre ne sera pas anéantie. Le ciel ne sera pas anéanti, mais la terre et le ciel seront simplement débarrassés de la présence des démons, purifiés, et il n'y aura pas de catastrophe. La terre ne va pas exploser, elle sera simplement changée. Pourquoi je dis cela? Parce que dans les béatitudes, le Saint dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Nous allons hériter cette terre. Il n'y aura plus de visa. Il n'y aura plus de frontières pour écouter. Toi, tu ne viens pas ici. Il faut un visa. Tu n'es pas européen. Tu n'es pas américain. La terre va nous appartenir. Et nous voyons que le Seigneur a dit dans Luc chapitre 21, verset 28. Le Seigneur dit ceci. Que quand vous verrez ces choses, il dit ceci, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Et en examinant la parole prophétique, nous voyons que nous sommes juste à... Donc la venue du Seigneur est très, très, très imminente. Parce que les signes annoncés par les prophètes, la parole du Seigneur, sont réellement en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons entrer dans cette promesse pour comprendre comment cela va se réaliser. Parce que le Seigneur, quand il a dit « Je m'en vais, mais je reviendrai. » Et quand je reviendrai, d'abord je m'en vais pour préparer une place. Et quand j'aurai terminé pour préparer la place, je reviendrai. Et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais le Seigneur n'a jamais dit comment cela allait-il se faire. Il n'a jamais dit, je vais vous prendre comment, est-ce que je vais envoyer des chars, beaucoup de chars qui viendront ramasser les gens sur la terre, comme Élie est monté au ciel dans un char de feu. Je vais vous envoyer des millions de chars de feu, vous allez monter dessus, hein, vous allez me suivre au ciel. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, je vais vous envoyer des chevaux de feu. Vous allez tous monter sur des chevaux pour me suivre. Il n'a jamais dit cela décemment. Je m'en vais, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a jamais révélé comment la chose va se faire. Et comme nous le disons tout le temps, Dieu est le seul interprète de sa parole. Comme il a fait la promesse, nous devons attendre. Regardez par exemple, quand il a fait la promesse du Rédempteur, et cette promesse, la première prophétie qui annonce la venue du Rédempteur, c'est juste quand le péché est entré dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur, parlant au serpent, lui dit, « Je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. » Mais toi, tu le blesseras les talons. Il annonce la venue d'une semence qui est appelée la semence de la femme. Et la femme n'a pas de semence. Une femme ne peut pas mettre au monde toute seule et doit recevoir la semence de quelque part. Il dit, je mettrai l'inimitié, moi l'Éternel, entre ta semence et la semence que je vais donner à la femme. Et c'est là où nous parlons de la semence du serpent. Même si cela choque beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous ouvre les yeux pour savoir ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden. Mais quand il annonçait cette semence, il n'a jamais dit comment cette semence viendrait sur la terre. Il n'a jamais dit comment il donnerait cette semence à la femme. Il n'a jamais dit cela. Il dit simplement, je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Voilà la première prophétie de la venue du Messie. Et plus tard, Dieu maintenant lève un peu un coin du voile en disant, dans Ésaïe, longtemps après, des siècles après, il est dit, voici la Vierge concevra. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et celui qui rachètera son peuple de toutes ses iniquités. Voici, la Vierge concevra.
C'est là maintenant qu'on saura maintenant que la semence promise, la semence de la femme, viendra au travers d'une femme vierge. Une femme qui n'a jamais été touchée par un homme. Et cette semence est dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et Ésaïe nous la décrit. Il dit, voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera prince de la paix. Et quand il viendra, il écrasera la tête du serpent. Vous comprenez? Et voici, et comment on nous a décrit la venue du Messie. Et quand le moment a approché, où cet enfant devait naître, l'ange est venu vers une vierge dans la ville de Nazareth, en Galilée. Et il a annoncé à la vierge qu'elle va devenir enceinte. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Et quand le Seigneur annonce dans Jean 14, je m'en vais, je reviendrai, il n'a jamais dit comment cela allait se faire. S'il allait nous envoyer des fusées, s'il allait nous envoyer des avions pour que nous puissions aller au ciel, il n'a jamais dit cela. Et il faut toujours s'attendre au Seigneur pour que lui seul nous dise ce qu'il va faire. Et heureuse est la personne qui reconnaît les signes des temps. Les disciples voulaient savoir comment cela allait se passer. Ils voulaient savoir ça. Comment cela va aller? Quel est le signe de ton avènement? Quel est le signe de la fin des temps? Le signe que le temple sera détruit? Quand est-ce que cela va arriver? Et le Seigneur va seulement répondre avant de donner tous les détails. Il va leur dire que personne ne vous séduise. Que personne ne vous raconte des histoires. Je suis le seul qui vous dit la vérité. Que personne ne vous séduise. Et il va donner des signes. Et pour notre temps, il va parler des bruits de guerre. Il va parler des catastrophes naturelles. Il va parler, c'est pas moi, de l'iniquité qui va se répandre sur la terre. Il va parler de l'apostasie, comment les gens vont abandonner la foi. Il va parler de tout cela. Il va dire que le faux sera tellement proche du véritable que si les jours n'étaient pas abrégés, alors personne ne serait sauvé. Et il va parler des choses comme ça. Mais il n'a jamais dit exactement comment cela allait arriver. Et regardez ce que ce reproche que le Seigneur fait aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui étaient venus vers lui pour lui demander un signe venant du ciel, dans Matthieu chapitre 16. Et regardez ce qui est écrit, les gens aveugles qui sont venus demander un signe surnaturel. Et il est dit ici, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, Matthieu chapitre 16, verset 1er, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et pourtant, lui, il était le super signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Les gens savent discerner les signes de la météo. Ils savent discerner beaucoup de signes. Mais les signes de temps, savoir en quel temps nous vivons, et quelle est la parole appropriée pour cette heure, ils ne le savent pas. Les gens sont religieux, les gens sont... Ils font des campagnes d'évangélisation, ils font des veillées de 20 jours, de 30 jours, de 40 jours, de 50 jours. Mais ils ne connaissent pas dans quel temps ils vivent et quelle est la parole de Dieu appropriée pour cette heure. C'est ça le paradoxe de cette heure. Mais il y a des gens qui sont divinement avertis, qui savent exactement en quel temps ils vivent et quelle est la parole appropriée pour cette heure, comme Siméon l'était. Siméon, oh le vieux Siméon, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Christ du Seigneur. Et nous voyons que, au temps marqué, quand on a amené l'enfant au temple, oh, quelque chose a dit à Siméon, mets-toi debout et va au temple, va à la synagogue. Et nous voyons que Siméon est venu. Et quand Siméon est arrivé, il a dépassé tous les autres moments. Siméon, guidé par le Saint-Esprit, est arrivé devant Marie. Et Siméon dit à Marie, donne-moi cet enfant. Et Marie n'a pas refusé. Marie n'a pas dit, non, je ne te donne pas cet enfant. Tu es qui pour donner cet enfant? Elle a pris l'enfant et l'a mis dans le bras de Siméon. Et Siméon a pris l'enfant. Le vieux Siméon, il a regardé l'enfant. Il a dit,
Maintenant, Seigneur, tu laisses partir ton serviteur en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Et c'est la raison pour laquelle, frère, il y a des gens qui connaissent les signes de temps. Les signes sont là, les prophéties s'accomplissent, mais les gens sont aveugles. Les gens ne voient même pas Dieu en train d'accomplir sa parole promise. Et nous sommes en train d'attendre la venue du Seigneur. Et il a été promis dans la parole de Dieu qu'il y aura un prophète puissant qui doit venir avec un message puissant. Ce message préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et il est dit dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, pas les prophètes au pluriel. Et quand il viendra, il ramènera le cœur. Il doit venir avant que le jour de l'Éternel n'arrive. On nous donne même les signes qu'avant, il n'arrivera pas avant. Et il va précéder la venue du jour de l'Éternel. Et quand il viendra, oh là là, il va ramener les cœurs des enfants de cet âge-là au cœur de père, c'est-à-dire de père apostolique, de ceux qui étaient là au commencement de l'Église. Et nous voyons que Élie est venu, qu'il a reconnu. On n'a pas de reconnaître qu'Élie a été manifesté conformément à l'Écriture, conformément à la promesse de Dieu. Oh, ceux qui croient ce message, les messages amenés par Élie, on les appelle des branhamistes, alors que ce ne sont pas des branhamistes. Je vous pose la question, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés pasteurs, mes bien-aimés évangélistes, vous qui vous opposez tout le temps à ce message. Vous êtes en train de lire les épîtres de Paul. Paul était le messager de son temps. Je vous pose la question. Ceux qui ont suivi Paul, qui ont cru à son évangile, partout les passés à Corinthe, à Éphèse, partout, les ont-on appelés des Pauliens? Je vous pose la question. Est-ce que c'était des Pauliens? Non. À Antioche, on les appelait des chrétiens. Pourquoi voulez-vous que nous, aujourd'hui, ayant cru la parole de Dieu, d'une bouche autorisée, de quelqu'un qui a été mandaté par Dieu. Comme il est dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Ça c'est Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 6. Et son nom était Jean. Est-ce que ces gens-là, qui se sont fait baptiser dans le Jourdain, par Jean-Baptiste, qui ont cru à la prédication de Jean-Baptiste, pour se préparer pour la venue du Messie, je ne sais même pas comment appeler, et les fanatiques des gens, des jaïens, jaïstes, est-ce qu'on les appelait comme ça? Pourquoi voulez-vous que dans ces temps, Dieu nous suscite un prophète? C'est vrai qu'il s'appelait Branham. Pourquoi voulez-vous qu'on porte le nom de Branham? On ne porte pas le nom du serviteur de Dieu. Nous sommes censés refléter donc la vie qui était en Christ. Et si nous reflétons la vie qui était en Christ, nous sommes des chrétiens et non pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. C'est un terme péjoratif. Si vous nous appelez des branhamistes, vous faites de nous des antichrists. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes censés refléter celui qui nous a rachetés. Nous sommes des chrétiens. Et nous voyons que nous avons reçu la parole et le Seigneur n'a jamais révélé comment l'enlèvement allait se faire. Comment est-ce que nous allons? Et nous voyons que et ici, les reproches à tous ces pharisiens de ne pas reconnaître les signes des temps. Maintenant, regardez. Regardez ce qui est arrivé. Il ne nous a pas révélé comment cela allait se passer. D'abord, son retour, comment ça allait se faire. Il allait revenir comment? Allait-il venir dans une fusée, hein, comme un astronaute, avec un casque, pour venir, allez, je suis venu vous chercher. Allez, montez à bord. Alors, regardez. Il lève un petit voile. Les anges qui sont venus, pendant qu'ils montaient au ciel, il y a deux hommes qui sont apparus aux disciples. Et regardez ce qui est écrit ici. Dans Actes chapitre 1er, verset 10, verset 11, il est dit ceci. Donc, je commence même au verset 9. C'est quand tu leur as dit de demeurer à Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et après, vous serez mes témoins à Jérusalem,
en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant qu'il leur parlait, verset 9, acte 1er, verset 9 jusqu'au verset 11, écoutez. Après avoir dit cela, il fut élevé, c'est-à-dire qu'il commença à monter, pendant qu'il, le 11, le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. C'était le 11. Pendant qu'il les regardait, après avoir parlé, ils ont vu seulement qu'il était en train de monter, qu'il montait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et ils sont restés là. Je peux voir des larmes couler de leurs yeux, parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'il allait revenir. C'était un phénomène surnaturel. Sans fusée, sans avion, qui n'existait même pas à cette époque-là. Ils l'ont vu seulement en train de monter. Comme quand Élie est monté, qu'Élisée, oh là là, Élisée a vu, il y a seulement un char de feu qui est descendu. Des chevaux de feu, parce qu'Élie était spécialiste du feu. Et pendant, frère, le feu, le char est descendu en feu, les chevaux de feu, et Élie n'a pas dit, oui, je vais brûler. Non, non, non. Élie est monté dans ce char de feu, et le feu n'avait pas de pouvoir sur lui. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, le feu ne le brûlait pas. Et frère, et le départ a été donné, le char a commencé à monter, et Élisée regardait, il regardait pendant que le char montait. Et Élisée, en pleurs, Élisée a commencé à crier, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Oh là là, c'était un moment émouvant. Il pleurait parce qu'il était resté comme un orphelin. « mon père, char d'Israël, char en feu, cavalerie en feu. » Et pendant que le char montait, Élisée regardait. Et Élie a eu pitié, il a regardé ce jeune homme qui pleurait là, il a enlevé son manteau. Et il a regardé en bas, le manteau ne brûlait pas. Il a jeté son manteau comme pour dire, remise à reprise. Jeune homme, je suis parti, ton temps maintenant est arrivé, commence le travail. Et Élisée a regardé, jusqu'à ce que le char a disparu, absorbé par des nuages. Et les disciples ici, quand Jésus est parti, il dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Ils sont restés en train de regarder jusqu'à ce qu'il a disparu à l'horizon. Et, verset 10, verset 11, et regardez, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, des anges, et dirent, hommes galiléens, ils étaient tous galiléens, à part Judas qui n'était pas de la Galilée, qui était déjà mort. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et comme il dit qu'il vient de la même manière, il viendra comme ça. Il ne viendra pas sous une forme spirituelle. Il viendra dans ce corps avec lequel il est monté. Tous ceux qui ont des enlèvements imaginaires, de retour de Christ imaginaires, c'est pour leur perdition qu'ils croient des choses comme ça. Ce Jésus qui est monté, reviendra de la même manière. Ça, c'est ainsi, dit le Seigneur. Il viendra de la même manière pour chercher son épouse. Il viendra dans ce corps dans lequel a payé notre rachat. Il viendra. Et la Bible dit que tout œil le verra. Il viendra. Nous le verrons, mais ce n'est pas tout œil, c'est plutôt les élus le verront. Il n'y a que l'épouse qui sera enlevée parce que quand il revient, lui quitte le ciel. Et l'épouse quitte la terre. La rencontre se fait dans les airs, comme Isaac et Rebecca se sont rencontrés, non pas à la maison, mais dans le champ. Un type parfait
de l'union de Christ avec son Église. Et ça, c'est un voile qui a été ôté. Mais malgré ça, nous ne savons pas ce qui va se passer. Comment notre union avec lui sera, bien que dans l'Église primitive, les chrétiens se saluaient par Maranatha, ce qui veut dire Jésus revient bientôt. Mais comment allons-nous aller à sa rencontre? Personne n'en avait la révélation. Pierre n'a pas reçu la révélation. Pierre a reçu les clés du royaume, c'est vrai. Mais la révélation de l'enlèvement, non. Jean n'a pas reçu cela. Et Jacques n'a pas reçu ça. Thomas n'a pas reçu ça. Il a plu au Seigneur. Quand il appelait Saul de Tarse, qui est venu combler le trou que Judas avait laissé, c'est lui qui est devenu le 12e apôtre. Et c'est à Paul que la révélation a été accordée de savoir ce qui va se passer le jour, l'heure, la minute, la seconde où l'enlèvement va intervenir. C'est à Paul que nous devons cela. Pierre n'en parle pas parce qu'il n'en avait pas reçu la révélation. Et nous allons voir que Saul de Tarse, qui était devenu l'apôtre Paul, c'est lui seul qui va nous révéler, d'après la parole du Seigneur, ce qui va arriver le jour, l'heure, la minute, la seconde de l'enlèvement. Et je n'ai pas ajouté ceci, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous savons ce qui va se passer ce jour-là. Le jour calendrier, nous ne le connaissons pas. Mais ce qui va se passer, nous le savons. Et Paul veut dire, si quelqu'un d'autre vous apporte un autre évangile, vient prêcher autre chose que ce que moi j'ai prêché à ce sujet, qu'il soit en terre. Tous ceux qui prêchent de faux enlèvements, qu'ils sachent que le Seigneur les attend. Nous sommes censés croire, comme disent les Saintes Écritures. Et l'enlèvement interviendra, comme disent les Saintes Écritures, comme Paul nous l'a enseigné. Et ça, nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Parce que le Seigneur fait toutes choses conformément aux Saintes Écritures, conformément à la prophétie, conformément à la parole qui est sortie de sa bouche. Ainsi que Dieu vous bénisse richement pour votre attention soutenue. Nous allons voir ce qui a été révélé à Paul, ce que Pierre ne dit pas, ce que Jean ne dit pas, mais ce qu'il a été révélé à Paul, et Paul nous l'a transmis en tant qu'Église des Nations, en tant que son épouse, et nous allons voir cela dans l'émission qui va suivre. En attendant cela, priez pour moi comme j'ai prié pour vous, et que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et se donne rendez-vous, Dieu voulant, à l'émission prochaine.